On va démarrer simplement cross classique, simplement devant soi. Easy game. Voilà, ça tout le monde devrait y arriver. Facile. Ceux qui sont chauds, de temps en temps, on casse un petit cross dans le, entre les jambes. Un petit cross éventuellement dans le dos. Voilà, vraiment on se met en rythme. C'est tranquille. Ok. Hop, hop, c'est relax. Hop, hop. Voilà, tac. Hop, hop. Pour ceux qui savent, on y va vraiment tranquille. Commence super fort. Ok, ça c'était la petite mise en bouche. Maintenant on va se concentrer vraiment entre les jambes, faire un espèce de width, donc on est statique, c'est hop, 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 etc. D'accord? Pour les plus petits, simplement vous faites ceci, sans dribbler. D'accord? On essaye de faire comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Une minute de travail toujours. 30 secondes de récup. Voilà, on essaie de bien se concentrer. Une fois entre les jambes, une fois dans le dos. Pour les grands, ça donne ça. Hop, ok. Pour les plus petits, hop. Ainsi. Ok les gars, ça va? Allez, c'est parti. Alors maintenant on fait un dribble entre les jambes, ok, d'avant en arrière, on récupère avec la même main, donc ça donne ceci, simplement comme ça, voilà, tac, tac, tac. Pour ceux qui ont plus difficile, un dribble supplémentaire, donc on est là, tac, hop, hop. Pour les autres, ça donne ceci, tac, 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 ok, ça va? Allez, c'est parti. Toujours avec la même main, ok. Pour les plus petits, on est là, hop, un dribble en plus, on récupère, hop, un dribble en plus, on récupère même plusieurs dribbles s'il faut, hein, ok. Voilà, hop, hop, ok, c'est pour les plus petits, les plus grands, oh, 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 ok. Allez, on tient, c'est bien, enfin, je crois que c'est bien. Donc on va faire un dribble, ça s'appelle un clap, ok? C'est-à-dire qu'on va faire croire en fait qu'on part, qu'on abandonne le ballon et qu'on revient après le récupérer. Donc ça donne ça, c'est un dribble, clap et on récupère le ballon. Donc je remonte, un dribble, clap et on récupère le ballon. En version un peu plus améliorée, ça donne ça, on est là, hop, ok? On fait vraiment croire qu'on abandonne le ballon. Pour les plus petits, simplement, clap, on dribble,
clap, on dribble. On n'est pas obligé de faire le cross pour les plus petits. Pour les plus grands, c'est hop, hop, ok. On passe sur le côté, boum. À dribble, ok. À dribble. On peut faire de l'autre côté aussi. Ok. Pour les plus chauds entre les jambes. Ok. Très bien. Bon, maintenant, ici, on va passer Shem God. Ok. Dribble Shem God. On a déjà vu. Donc, pour les plus petits, c'est ceci. Ok, donc on laisse partir la balle d'un côté et avec la main opposée, on vient chercher. Ok, les plus grands, on fait autre chose, on fait Shem God dans le dos. Ok, donc le même principe, c'est la même chose, sauf qu'on récupère avec l'autre main dans le dos. Ok, comme ceci. Hop, dans le dos. Ok, on est là, hop, dans le dos. Allez, c'est parti. Et donc on laisse partir le ballon, un petit pas de décalage vers la balle et on claque. Okay. Simplement on tapote le ballon. Et là, et on récupère. Okay. Yes, yes. Même chose, Shem God toujours. Variation entre les jambes cette fois-ci, donc on est là, le début du mouvement est le même, ok, sauf qu'on récupère entre les jambes. Pour les plus petits, on peut essayer de faire ceci, ok, simplement on lève la jambe. Pour les plus grands, on y va à fond. Toujours aller avec le pied vers l'avant. Comme si on attaquait le défenseur. Hein. Oh là, je m'emballe. Cross à 4 temps d'Iverson. Ok, donc cross à 4 temps. Premier temps, simplement. Jordan il est là. Ok, dynamique. Premier dribble il est explosif. Là. Donc, premier cross entre les jambes. Premier temps, ok, explosif. Le deuxième temps, enfin les deux temps suivants, c'est un double cross. Devant soi, ok. Donc on a fait le premier temps, on va faire le deuxième, troisième, ok. Avec le balancé, ok. Donc ça donne 1-1-1, ok. C'est 1-2-3, ok. On est là, donc 1-2-3. On peut après, on peut un petit peu ralentir sur le temps numéro 2 et 3, sur le deuxième et troisième dribble, pour en fait pouvoir exploser lors du quatrième dribble, d'accord. Donc c'est volontaire. Donc on est là, 1-2-3, et on explosera sur le dernier, d'accord. Donc c'est 1, 2, 3. Pour le moment, c'est ça. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça va chez tout le monde? Donc c'est. Ça va chez tout le monde? Ça se passe?
Ok, apparemment c'est bon. Donc on va passer au dernier temps. Donc je récap. Premier temps, explosif. Deuxième temps, 1, 2. Et le dernier temps, c'est un cross. Mais vous allez vraiment l'appuyer pour avoir un maximum d'effet. Vous allez l'allonger un maximum aussi. Ok, donc ça donne 1, 2, 3. Et on fait vraiment balancer tout le corps. Je remonte. Donc c'est 1, 2, 3 ou 4. Ça va? Je remonte. 1, 2, 3, 4. Le dernier cross, vous devez vraiment dépasser un maximum. Hein, ok? On imagine, Jordan, il est face à vous. Vous le crossez. Vous crossez sa mère. Les jambes, 1, 2, on déborde. Au deuxième move de la journée. Donc ça, c'est en fait, c'est une feinte de passe que notre ami Chris Paul, il fait souvent. Et donc le gars fait une feinte de passe et il part en layup, après il part en drive, ok? Le principe, c'est vraiment la première feinte. Donc c'est ceci, ok? Ok, donc c'est un dribble en fait entre les jambes. Premier niveau, c'est un dribble entre les jambes, comme ceci, ok? Voilà, entre les jambes. Comme on a fait tout à l'heure en fait à l'échauffement, ça préparait en fait à ce mouvement là. Donc c'est un dribble entre les jambes et on récupère avec la même main. Donc là on va imaginer main droite, ok, passe en dessous des jambes et on récupère main droite, ok. Voilà, on pose ce move, facile, facile, ok. Quand vous voyez que ça va, petit à petit, vous allez tourner votre tête vers le ballon en fait. Donc comme ceci, hop, et on fait pivoter les épaules, ok. On pivote les épaules. Hop, entre les jambes, on pivote les épaules du côté du ballon. Hop, 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 et hop, ok, tac, tac. Une fois que ça s'est maîtrisé, les gars, les épaules pivotent, on va allonger le bras, ok, le maximum, le plus loin possible, comme si en fait vous alliez lâcher une passe à l'arrière, en fait, d'accord. Donc, lui, en fait, cette feinte là, c'est quoi hein, concrètement? C'est la feinte d'une passe comme ceci, c'est la feinte d'une passe entre les jambes. Comme ça, ok, d'accord. Donc on passe la balle entre les jambes, on récupère de la même main, d'accord, et là on va allonger derrière un maximum, on allonge et le regard dirigé vers le ballon, ok. Sur le pas d'après, sur le pas d'après, 1, 2, on part en layup, ok. Donc c'est sur le premier pas tout ça, 1, 2, layup, ok. Donc on avance. Ok, ça va? On essaye? Ils sont stylés, mais les hops sont rien. Toujours bien exagérer votre mouvement, d'accord? Donc c'est le ballon, vous le récupérez, vous allongez un max, ok? Et toujours regardez. On est là, on pivote. Vous tenez une petite impulsion avec votre bras, de façon à ce que le défenseur puisse penser que vous lâchez le ballon. Ça doit être un petit peu agressif. Devait arriver, arriva. J'ai perdu ma balle. Elle l'a récupérée tantôt. Je vais vous en chercher une nouvelle. Allez, allez, à du direct, hein, les gars. C'est un petit moment que je n'ai plus utilisé. Regarde, on va faire une petite feinte au voisin. Là. Là, je vais être censuré par Instagram si je continue comme ça. On est là, dribble, on exagère, et hop, ok. Et là. Troisième move, les gars, c'est un move de James Harden, d'accord. Donc ça va être ceci, je vous montre vite fait. Donc c'est dribble dans le dos, on bloque, demi bob cousy, passe sur le côté et on shoot. Un dribble dans le dos et on simule le dribble dans le dos et on simule le shot, d'accord. Donc c'est en fait, c'est un dribble dans le dos, les gars, mais que vous bloquez à ce niveau là, comme ça, on refait passer le ballon dans le dos. Et on fait comme si on shootait, ok. On bloque le ballon, bob cousy, ok. On passe sur le côté et on fait le shoot. En l'autre sens. On démarre main droite,
bloquez la balle main gauche, ok, ici. La balle, elle repasse dans votre dos, ok. Dans votre dos, sur ce temps-là, un petit pas de côté. Un. Et sur le deuxième, on est déjà bien bas sur les jambes pour simuler le shoot. Donc ça donne un, deux. Ok. Dans l'autre sens. Alors, dernier move qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le cut dribble. Bon, le dribble coupé, cut dribble, c'est ceci. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va donner un effet lift, en réalité, au ballon. On part de là un peu comme un in-out, d'accord? Sauf qu'ici, la balle, on la tient par ici. Et on va donner un petit effet fouetté, comme ceci sur le côté, de façon à ce que la balle puisse s'en aller vers l'extérieur, en fait. Ok? Donc ça se fait sur deux dribbles. Le premier dribble, c'est celui-ci où on va donner l'effet. La balle, après, doit aller par ici. Et le deuxième dribble, c'est le dribble où on va le récupérer. Donc c'est le cross. Après ce dribble là, donc c'est ceci, 1, 2, d'accord? Donc je remontre, 1, 2, 1, 2, simplement, ok? On est là, 1, 2, 1, 2, 1, 1, on entoure le ballon, ok? On donne un effet de lift et la balle, en fait, comme si on coupait la trajectoire de la balle, on la fouette, ok? La balle après part à l'extérieur. Elle part à l'extérieur. Nous, sur ce temps-là, vous avez vu ici, je commence à le faire. Un petit pas sur le côté. Un pas sur le côté pour faire croire en fait que le ballon, limite, soit on le perd, soit on fait la passe. Et c'est au dernier moment qu'on va le récupérer. Ici, sur le moment où le ballon s'en va vers l'extérieur, on fait déjà un pas sur le côté assez vite. Et on récupère après le ballon avant qu'il ne retombe au sol. Donc c'est un. Direct. Sur ce temps-là, un petit pas de côté et on récupère le ballon. Ok? Lift, un petit pas de côté, on récupère le ballon. Lift, un pas de côté, on récupère. Il faut vous imaginer que vous allez vers l'anneau. Ok? Donc on va vers l'anneau, comme ça. Cut dribble, on récupère, d'accord? On recommence. On va vers l'anneau, cut dribble, on récupère, d'accord? Au fur et à mesure, vous pouvez augmenter un peu plus la cadence, d'accord? Voilà. Si vous voulez vraiment exagérer le mouvement, quand vous lâchez le ballon, vous continuez en fait avec ce bras là, le bras qui lâche le ballon, vous continuez comme si vous alliez faire une passe par là en fait. Ok? Donc ça donne ceci, on arrive. Ok? Et on récupère le ballon sur le premier dribble. 1, 2, 3.